2018, une étoile brillera. Oh, Gabriel, j'ai déclaré. Tu parles à Satan ce matin, tu as fait le déclarer à l'ennemi. Tu dis 2018, mon étoile brillera. Star will burn. Quel que soit ce que tu vas faire, no what you oh, je suis né pour prier. You are born au nom de Jésus. Your star Hallelujah. Is born to burn. Asseyez-vous dans le nom de Jésus. Please have a seat in the name of Jesus. Hallelujah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis content d'être là ce matin. Amen. To be here this morning. Alléluia. Sois béni, mon frère Jonas. Blessed Brother Jonas. Alléluia. Je vois la VP Jackie dans le secteur. See the vice president. Cette année-là, c'est bon. Amen. This year is good. Je regarde, je dis merci. I'm asking myself, who was that? C'est un groupe qui est derrière là-bas. Who is this young miss that's in the back? I'm not understanding. D'après un comédien dit, mais qui est-elle? A comedian will say, who is she? Hallelujah. Hallelujah. Vous êtes tous beaux, tous belles ce matin. You are all handsome and beautiful this morning. Cette année, this year, est une année de bénédiction. It's a year of blessings. Hallelujah. Hallelujah. Vous savez ce que tu déclares. You know what you declare. Sur toi-même. On yourself. Ce que tu crois. What you believe. Que tu es. That you are. C'est ce que Dieu fait de toi. Ce that is what God makes of you. Hallelujah. Hallelujah. Quand je préparais ce message hier, when I was preparing this message yesterday, quelque chose s'est passé le week-end, mais ça, something happened during the weekend, and I started laughing myself. Even this morning, it came back. J'ai partagé ça avec ma femme. And I shared it with my wife. Une petite fille qui était avec nous ce week-end. There was a little girl that was with us this weekend. I think she's about 3 or 4 years old. 3 ans. 3. She's 3. Quand le matin je la prêtais. When I was preparing her in the morning, getting her dressed. Dès que j'ai fini de porter son habit. As soon as I finished dressing her. Elle a commencé à dire. Tadiner dans ma main. She started rocking back and forth in my hand. Elle dit, tonton pasteur. She said, Uncle Pastor. I'm a princess. Amen. I'm a princess. J'ai dit en bon, tu dis quoi? I said, oh really? Tonton pasteur, I'm a princess. She said, yes. Uncle Pastor, I'm a princess. J'ai dit, ok. Le secret que tu as fait la nuit, la princesse ne fait pas ça. Elle dit, ok, mais I'm a princess. What you did last night, a princess doesn't do that. And she said, oh well, I'm still a princess. Mais je suis princess. I'm still a princess. Dit, I said, oh, well, you see? À 3 ans. At 3 years old. Elle dit ce qu'elle est. She already is saying what she is. Et quand elle va grandir demain. And when she will grow up tomorrow. Quand quelqu'un va la voir, celui qui a entendu ça déjà d'elle. Whoever has already heard her say that she's a princess. Once they will see her grow, they will understand that her herself at a young age was confirming that she's a princess. And I declare this morning that you are princes and princesses. This morning, I've come to bless you. En tant que père spirituel, as your spiritual father, as a spiritual father, it is my job de prophétiser sur la vie de mes enfants. To prophesize on the lives of my children. Parce que ce que tu déclares au nom de because Jesus, what you declare in the name of Jesus, c'est ce qui va se passer. That is what is going to happen. Un homme de Dieu a fait deux témoignages. A man of God gave 2 testimonies. Un Américain. An American man of God. Il dit qu'il a vu la puissance de la parole. He said that he had seen
the power of the word. Et dit, il a expérimenté avec un jardinier. And he said that he experienced it with a gardener. Il dit, ben, deux plantes de tomates. And he gave the example, two plants of tomatoes. Et dit, sur l'autre. And he said, on one of them, il faut dire, oh, ça va rien donner. Let yourself say, this one right here, it's not going to produce anything. Et tous les matins, and every morning, go to the second one and say, you know what? This tomato right here will flourish. It will grow. Il dit jusqu'à la fin. And he said, till the end. Là où il prophétisait la négativité. The tomato on which he was proclaiming negativity, saying negative things towards, il y a pas eu de tomate. It did exactly that. It did not bud or flourish any tomatoes. Où il prophétisait la positivité. And on the other hand, where he was saying positive stuff, il y a eu des tomates. It did exactly that and produced tomatoes. Donc si la puissance, la parole a une puissance sur la so nature. If words have a power on nature itself, et sur l'homme, what about man? The power it has on man. C'est pour ça qu'il est bon. And that is why it is good de prophétiser sur ta vie. To prophesize on your own life. De prophétiser sur la vie de ton mari, de to speak on your husband and your wife's de prophétiser life. Sur la vie de tes enfants. To speak and prophesize on the life of your children. De prophétiser sur toi-même to prophesize on yourself every day. Parce que Dieu nous a donné la parole. Because God gave us the word. De pouvoir déclarer. To be able to declare. Et surtout à son nom. Especially in his name. Il dit qu'à mon nom, les malades. He said, in my name, the sick guéris. Are healed. À mon nom, les sourds entendent. In my name, the deaf à mon healed. Nom, ceux qui étaient muets parlent. In my name, those who couldn't speak. Malade, retrouve la vie. Those who were dead or sick find life once mais more. Je prophétise ce matin. And this morning, I prophesize que ce que Dieu a prévu pour toi, that what God has et for you cette année de restauration, tout ce que and this year of restoration, all things that the enemy has stolen, I proclaim that in this year of 2018, you enter your blessing in the name of Jesus. On va lire un texte ce matin. We will read a scripture this morning. Et nous allons partir de là. And we will go from there. Matthieu, chapitre 2. Chapter 2. 1 à 15. Matthieu, chapter 2, 1 to 15. Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 15. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Amen. Continue. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, son peuple. Alléluia. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé,
Faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retourna en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, alléluia, on s'arrête là. On acclame le nom du Seigneur sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin, tell your neighbor, cette année, this year, cette année, this year, mon étoile brillera. My star shall shine. S'ils ont peur, if they are afraid, s'ils ont voulu m'attaquer, if the opposition are afraid and wanted to attack you, if the opposition wanted to destroy you, all ends because in this year your star shall shine. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Let them say all that they want. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils pensent de moi. Let them say all that they think of you. Mais mon étoile, but your star brillera, shall shine. Hallelujah. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, when God wants to do something in your life, il annonce toujours. He announces it all the time. Il te fait voir ça toujours. And he makes you view it beforehand. Aujourd'hui, quand je regarde le nombre, and today, when I look at the people who are here, the number of people here, je suis content. I am happy. Mais je suis pas surpris. But I am not surprised. Je suis content. I am happy. Mais je ne suis pas surpris. But I am not surprised. Parce que ce que je suis en train de voir, because what I am seeing, et qui va être encore multiplié, which will also multiply. Il a déjà montré à tout le monde. God has already shown to everyone. Et c'est ce qu'il a déjà montré. And it is what he has already shown. Qui est en train de se passer. That is actually manifesting itself in front of our eyes. Donc ce qui va arriver dans ta vie. So what will happen in your life? Ce qui va se passer dans what ta vie. What will happen in your life? Dieu le montre toujours. God always shows it before. Alléluia. Alléluia. Et toi, ta responsabilité, and you, your responsibility, your duty, le combat que tu dois mener, is that the fight that you are supposed to fight, c'est de croire, is to believe, à ce que Dieu a dit que and tu have dois faith être. In what God said you are going to be. As I said, the young girl, she said, I'm a princess repeatedly. Si elle grandit avec ça, and if she grows up with that same mentality, tu l'insultes même pas dans couloir, even if princess. You insult her, she'll go behind closed doors and say, I'm still a princess. Jésus, quand il a commencé, Jesus Christ, when he started, on a lu tout à l'heure ici, we read just now in Matthew 2, la Bible ne ment pas.
And the Bible does not lie. La seule personne à part les prophètes. The only ones apart from the prophets. Qui a été averti réellement. That were truly warned of his birth. C'est Marie. Were Mary. L'ange est parti et dit toi. To whom the angels went and les said. Dit ça comme ça. Yes, it's true. The prophets have already said so. But it is the celui time qui va changer le monde. The one who will change the world. Il sera dans ton sein. Will be in your womb. Hallelujah. Hallelujah. Et ce qu'il a dit, what he said, c'est accompli. Accomplished itself. La Bible dit que the Bible says, le petit enfant, le bébé est né. The baby, the small child was born. Et les magiciens, and les the wise men, the sorcerers, in a whole different nation. À travers l'étoile. Just by his star, on comprit que ce jour-là, understood that that particular day, someone powerful had je been born. Clair, peut-être que tu ne l'avais pas su. I don't know. Mais le jour où tu étais né, quelque chose s'est passé dans ton cœur. Le jour où tu étais né, quelque chose s'est passé dans la vie. Le jour où tu étais né, quelque chose s'est passé dans le pays. Something happened in the country. La Bible dit les mages ont the Bible says that the wise men saw the star.